Good morning, allez, Yidane, tu seras aujourd'hui lire Fouat, Etel Myriam, Léa, Bat Sarah, Chayrivka, Bat Léa, Sarah, Bat Nechama, Chana Léa, Bat Gitel Dora, et Eliaou, Ben Chaya, Eliaou, Raphaël, Ben Chaya Tizel, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi lire une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sarah Tzachim, Pergadalet, Mishna Bet, Kayotse Bo, Hamolir Perot, Shviit, Mimakom Shekalou, le Makom Shelo Kalou. O Mimakom Shelo Kalou, le Makom Shekalou, Chayav Levaï, Rabbi Yehuda Omer, Omrim Lotse, Vavelach, Af Atar. On va quitter pour les prochaines Mishnayot le sujet de Psachim, en rapport avec ce qu'on a ouvert dans la Mishnah précédente, la question des usages. Qu'on avait appris une règle. Si je viens d'une ville où on avait on tenait pour Halakha une certaine conduite, et j'arrive dans une ville où on tient pour Halakha une autre conduite. D'accord? Deux avis qui m'ont tranché. Là-bas on est comme Rabbi Meir, ici on est comme Rabbi Yehuda, ou peu importe. Alors la Mishnah m'avait enseigné, tu feras les chumrot de là où tu viens et de l'endroit où tu te trouves, au choix. C'est-à-dire tu seras toujours, si tu viens d'un endroit où on était mahmir, tu arrives dans un endroit où on était mekel, tu seras mahmir. Tu viens d'un endroit où on était mekel, tu arrives dans un endroit où on était mahmir, tu seras mahmir. Toujours, notnin alav chumra makom shatsam, jam ve chumra makom shalach lasham, c'était la phrase de la Mishnah précédente. On donnera les chumrot de la ville d'où il vient et de la ville où il arrive. En rapport avec ce détail, on va se mettre à parler maintenant de la prochaine Mishnayot, en évoquant toutes sortes de situations où on ira au choix, on choisira toujours la Chumra la plus stricte, la loi la plus stricte selon là où on vient, où on arrive. Et on a un nouveau cas, on va parler d'un tout autre sujet en fait, qui n'est plus une question de Minagim, qui parle de Ilchot Shvit. Je traduis la phrase, après on explique. Kayot Sebo, idée de même principe. Amolir perot shvit mimakom shekalou, celui qui va transporter des fruits de l'année de shvit, de shmita, mimakom shekalou, d'un endroit où on ne trouve plus ces fruits, kalou c'est qu'ils ont disparu, on a épuisé les stocks, les makom shelo kalou, pour arriver dans un endroit où il y a encore des stocks de fruits dans les champs. On va expliquer après de quoi on parle, d'abord je traduis. Ou bien, inversement, mimakom shelo kalou, dans un endroit où on n'a pas épuisé les stocks, pour les makom chez Kalo, dans un endroit où on a épuisé. Les stocks, quand je dis les stocks, c'est plutôt les fruits dans les champs. Alors, la Mishnah enseigne, Chayav Leva'er. Il aura l'obligation de faire le bi'ur perot. Et je m'arrête là, parce que là, il va falloir introduire beaucoup de halakhot. On est en train de parler du bi'ur de Shvi'it. Durant l'année de Shvi'it, la Torah, elle a dit, vous mangerez les fruits des champs, vous et les animaux qui sont dans les champs. La chaya sherbivam techa, la juite elle est pour tout le monde, pour toi comme pour les animaux sauvages. Une insistance un petit peu lourde parce qu'on n'avait pas de chova d'inviter les chatons à venir manger les fruits. Qu que ça veut dire que la Torah a dit c'est pour toi et pour les animaux? Et bien, la réponse elle est que on apprendra une halakha. Tu as le droit de partir chez toi, on va prendre un cas. J'ai un champ de pommes. Tu as le droit de partir ramasser des pommes selon des quantités qui sont explicitées dans la serre juive. J'ai le droit d'en prendre et d'en mettre dans la maison si je veux. À la maison. Mais si toutefois, pendant que j'ai pris des pommes à la maison, on arrive dans une situation où il n'y a plus de pommes dans les champs. Ça y est, la saison est finie, ce qu'il y avait à accueillir, c'est accueilli, ce qu'on n'a pas accueilli, ça pourrit, il n'y a plus rien à manger pour les animaux dehors. S'il reste plus de rien à manger pour les animaux dehors, toi tu n'as plus le droit de conserver tes fruits chez toi. Tu vas devoir leur faire le biour. Plusieurs interprétations, c'est quoi le biour? On va suivre l'avis de Rashi qui nous dit, tu devras prendre ces fruits, les sortir dehors et les dire, ils sont FKR, tout celui qui veut qu'il vienne les prendre. Tu les ressors de chez toi en fait. D'accord? Il faut les va'er d'avar, c'est comme le biur hametz. Le biur hametz veut dire anéantir. Là, on fait plus allusion au fait que tu dois plus les conserver chez toi comme ton bien personnel. D'accord? Tu les anéantis de ta propriété finalement. Sans les détruire les fruits eux-mêmes. Ils sont encore mangeables. Selon Rashi, même pour la halakha, on tient comme ça. Donc ça, c'est le biur des perot shvit. Du coup, maintenant, il y a un très grand sujet très intéressant dans Maseret Shvit, qui va nous parler qu'il y a trois différents. On séparait la terre d'Israël en trois régions. Il y avait le nord, je ne sais pas, nord, centre et la côte ouest, en fait. Trois régions où qui se dirigeaient chacune indépendamment de l'autre. Et même les animaux, ils partaient pas d'une région à l'autre. Il y avait les animaux de Yerushalayim. Yerushalayim, ils ne partaient pas dans la partie nord du Galil. Et inversement aussi, trois régions. Du coup, la Mishnah me dit maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis parti, ça y est, le Seger, peu importe, je vais partir à
me promener dans le nord, à Méron, moi qui suis de Jérusalem. Je vais prendre des fruits avec moi parce que j'ai envie de manger en route. Et je vais arriver à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, avec un cajot de pommes. J'arrive à Méron, et puis là, qu'est-ce que je découvre? Personne ne mange des pommes, les gens me regardent avec des yeux tout ronds, quoi. On n'a plus de pommes sur les arbres depuis 3 semaines déjà chez nous. Comment toi tu manges des pommes? D'où la question, est-ce que j'ai le devoir de faire le biour? De dire, bon, ben moi si je. Même si maintenant, moi dans ma ville à Jérusalem, on mange encore des pommes, on en a pour encore 2 mois. Imaginez qu'on est dans une situation pareille, est-ce que je dois faire le biour ou pas? La mission m'enseigne, oui. Tu fais la chomra de là où tu viens et la chomra de là où tu arrives. Inversement. Je suis parti, maintenant je pars à Méron pendant 3 semaines, 1 mois, en grandes vacances. Et puis, j'apprends qu'en fait à Jérusalem, il n'y a plus de pommes sur les arbres, on fait faire le biour. Maintenant je suis à Méron, on a encore des pommes pour encore 2 mois. Est-ce que je dois faire le biour de mes fruits alors qu'il y a plein de fruits autant qu'on veut? Et la réponse, elle sera de nouveau oui. La Mishnah vient m'enseigner que oui, effectivement. Parce que tu devras faire la chumra de là où tu viens, de là où tu arrives. Les fruits, intrinsèquement, il faut leur faire le biour parce qu'ils viennent dans l'endroit où il y a eu le biour. Il faut leur. C'est à la challah. Et si tu arrives dans un endroit où tout le monde fait le biour aussi, tu devras faire le biour pour ne pas être différent, te distinguer de trop de ce que tout le monde fait dans cet endroit. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Il y a maintenant. Je vous explique la difficulté de cette Mishnah. Elle est pour le moment tout ce qu'on a dit, c'est très vrai, très juste. Sauf que, il y a une deuxième intention plus profonde dans notre Mishnah, en fait. Que grâce à Rabbi Yehuda qui va venir dire une certaine chose, et la Gemara qui va prouver que Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est pas à comprendre au sens simple, du coup, il va falloir tout chambouler la Mishnah. Parler d'un cas assez complexe. On va faire ça en 2 temps. Je commence d'abord par traduire la phrase de Rabbi Yehuda, qui a l'air simple. Expliquer d'ailleurs ce qu'on aurait pu en comprendre, et puis après expliquer c'est quoi le vrai sens de la Mishnah. Rabbi Yehuda enseigne, Omrim lo, on va lui dire, c'est vavelach afata, va t'en chercher toi aussi. Autrement dit, apparemment, Rabbi Yehuda me dirait une chose comme ça. Moi, je viens de Jérusalem, et à Jérusalem, il y a encore des fruits. J'arrive à Méron, on ne mange plus de fruits. Alors, Tanakamé m'a dit, tu dois faire le biour. Rabbi Yehuda, il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes tous jaloux de moi? Tu veux toi aussi manger des pommes? C'est pour ça que tu chasses le biour, parce que c'est pas normal que moi. Va toi aussi à Jérusalem, te chercher un cajot de pommes et amène-les ici, aucun problème. Fais l'aller-retour, passe-toi une journée, tu mangeras des pommes librement comme moi. Apparemment, c'est ce qu'il dirait Rabbi Yehuda. Seulement, la Gemara prouve que Rabbi Yehuda n'est pas venu être plus permissif, mais au contraire plus restrictif. Et du coup, on va parler d'une autre situation complètement différente. Tout ce qu'on a dit pour le moment dans la première partie de la Mishnah, ça restera vrai. Sauf qu'on inclut aussi. La manière de s'exprimer de la Mishnah, elle inclut un cas un peu particulier. Imaginez qu'on a pris 3 légumes et on en a fait par exemple, des variantes. On a fait des kvushim, on les a mis à macérer dans de la saumure. Il y avait dedans des concombres, des fenouilles et, allez, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dedans? J'en sais, des poivrons. 3 légumes. D'accord? Je les ai tous mis maintenant, j'ai fait des grands pots de légumes salés. Et du coup, je veux les manger. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 2 sortes, par exemple, qu'on ne trouve plus dans les champs. On avait dit les concombres et les fenouilles. Ils ne sont plus dans les champs. Mais il reste quand même dans les champs, il reste encore des poivrons. Qu'est-ce que je fais? Alors, sur ça, il y a une. C'est sur ça la marloquette, en fait. Il y a Chachamim qui vont dire, écoute, puisque pour le moment, il reste encore des fruits, il reste une des 3 sortes qui est mélangée dans tout ce bocal, qui est permise, alors tu as le droit de manger le tout. Grâce à un, tu manges les 2 autres, même si les autres ils seront plus encore dans les champs, t'as pas d'obligation de faire le bio. Sur ça, vient Rabbi Yehuda et il lui rétorque et lui dit non, c'est pas possible. Parce que comment toi tu vas te permettre de manger des fenouilles en cette saison alors qu'il n'y en a plus dans les champs? Que vas-y, va m'en chercher d'autres fenouilles, tu verras que tu n'en trouveras pas. C'est ça l'explication de Tse Vavelach Afata. Vas-y, va aussi t'en chercher. Tu verras, entre parenthèses, tu verras que tu n'en trouveras pas. Donc t'as pas le droit de manger les fenouilles, t'as pas le droit de manger les concombres, mais tu auras le droit de manger les poivrons, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.